Dites adieu aux cafards avec cette étonnante astuce. Une invasion d'insectes, et surtout de cafards, peut arriver rapidement. En plus d'être extrêmement contaminants et résistants, les cafards se caractérisent par une vitesse de multiplication terrifiante. En effet, une femelle peut donner jusqu'à 100 000 descendants et imaginez donc la colonie qui risque de s'installer chez vous pour vous en débarrasser efficacement et naturellement. Essayez cette astuce simple. Les cafards ont une préférence pour les endroits sombres, chauds et humides. Ils trouvent généralement refuge dans la cuisine, derrière les appareils électroménagers, sous les meubles, dans les tuyaux et les gaines d'aération, les fissures des murs, près des poubelles, etc. C'est pourquoi il est très important de procéder régulièrement à un examen de la maison, afin de combler les fissures et les trous qui pourraient leur servir de porte d'entrée. Mais une fois installés, il faut rapidement les combattre pour éviter qu'ils ne se multiplient et mettent en péril votre santé et celle de votre famille. Pour vous en débarrasser, voici une astuce simple et naturelle, qui vous évitera l'utilisation d'insecticides chimiques pleins de substances toxiques. Astuce naturelle pour éliminer les cafards: ingrédients du plâtre, de la farine blanche, du sucre en poudre, de l'eau. Préparation: ce mélange vous assure une élimination rapide des cafards. Il vous suffit de mélanger le plâtre, la farine blanche et le sucre. Ensuite, déposez de petites quantités de ce mélange dans les endroits où vous avez l'habitude de voir les cafards et, juste à côté, placez des petits récipients remplis d'eau. La farine et le sucre attireront les cafards. Ce repas leur donnera soif, et le mélange d'eau et de plâtre se solidifiera par la suite dans leurs intestins, ce qui provoquera une occlusion intestinale et donc leur mort. Pour pousser les cafards à sortir de leur refuge et ainsi mieux les éliminer, il est conseillé de faire baisser la température de votre maison, en ouvrant grand les fenêtres ou en arrêtant temporairement le chauffage. Autre conseil pour éviter l'invasion des cafards. Assurez une propreté optimale de la maison, et de la cuisine en particulier. Conservez les restes de nourriture dans des boîtes hermétiques. Utilisez l'aspirateur pour éliminer les petites miettes de nourriture autour des meubles. Utilisez du vinaigre blanc comme nettoyant, et en vaporisez sur les fenêtres et les seuils des portes car son odeur forte agit comme un puissant répulsif. Procédez aux réparations nécessaires dans et autour de la maison. Utilisez des poubelles avec couvercle. Placez des boules de coton imbibées de quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné pour les repousser et éviter qu'ils ne s'installent chez vous. Si malgré tout, vous remarquez que le nombre de cafards chez vous va grandissant, il est recommandé de faire appel au service d'une société spécialisée de désinsectisation, afin de les éliminer de manière radicale et ainsi éviter les maladies et les infections qu'ils peuvent vous transmettre.